Bonjour YouTube, c'est reparti. J'avais mis pause, bien sûr, pour pas vous... pour pas que vous ratiez quoi que ce soit. Non. Non, non, ne nous laissons pas tenter par les folies de la vie. On va laisser un peu le diagnostic facile faire son office. On va faire une petite salle de repos. Alors je sais, la salle de repos est assez particulière. En fait, finalement, la salle de repos, c'est la seule où on s'en fiche qu'elle soit en prestige, quoi que ce soit. Formidable. Les salles de pause intéressantes, on les fera quand on aura des employés intéressants. Attendez, je vais pas... Ah oui, non, mais ça, c'est dans la formation. Oh, le petit tapis, ça rajoute toujours un petit peu de, voilà, de prestance et de prestige. Et un tableau d'affichage, parce que j'en sais rien. Ouais. L'horloge, pour pas qu'ils oublient de retourner travailler, comme d'habitude. C'est ça comme ça. Ce qui fait qu'on aura potentiellement, je dirais, pour une salle commune, la construction au milieu. Ok, on est bon. Oui. J'améliore, hein, tout. Alors, regardons les embauches. Ah, voilà le jus d'orange. J'adore, moi, cette phrase. Voilà le jus d'orange. Non, mais non, il nous faut un psy ou un truc comme ça. Un truc sympatoche. L'autre, il est comme ça en train de réparer ou je sais pas trop quoi. Ça se passe comment? Généraliste, hein. Je pense que généraliste psychiatre va falloir investir. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? En gros, on va avoir des malades de tout ou... où ça va le faire en fait. Et je me concentre juste sur généraliste psychiatre. Visiblement, pour l'instant, c'est vraiment généraliste psychiatre. La maladie qu'on a, c'est la laine de hyène. Donc, ouais. J'hésite déjà à construire un deuxième psychiatre en fait, mais. Ce qui serait d'abord encore plus intéressant, c'est de savoir en fait la pathologie. Comment elle se guérit. Il n'y a plus de réceptionniste, c'est ça, parce qu'il est en pause. Tu l'as. Ah, ça va me faire chier si je dois le former pour qu'il soit juste psychiatre. Et si je prends un autre généraliste, autant avoir celui-là. Bon. Parce que lui n'a aucune compétence. Donc autant... Voilà. Il va remplacer son camarade. Camarade ! Et je vais construire déjà... Généraliste 2. Tiens d'ailleurs, en attendant, toi. Ah mais je peux pas sélectionner. Lâchons la pause, hein, et construisons des choses en attendant. Voilà, voilà, ça se bouscule au portillon visiblement. C'est marrant parce que ce truc est indispensable. Oui, qu'y a-t-il? Laissez-moi finir. Don't forget to tip your nurse. Don't forget to quoi? Ah, c'est vrai, on avait dit le grand radiateur. Je place ça à la zone. Moi, je suis très content.
Le yuca, indispensable à la au bonheur des gens. Le yuca, c'est important. Oui, j'ai deux boutons, mais je préfère que celui-là. Et chute. De papier. Ce n'était pas drôle. Ce n'était vraiment, vraiment pas drôle. Mais qui suis-je pour juger? Je suis moi-même. Comment ça, Liuka, c'est pas du même côté? Terrible. Ah, voilà. Ah, j'ai confondu avec le Yukaili, Yukaili, Aili, Aila. C'est ça. Le test de vue, on est prestige 3, on est content, et si on est content, ils sont contents. Un peu les caisses avec l'épisode 2 qui vient tout juste de sortir, je pense qu'il devrait attendre de le voir aussi. Oui, en fait, il y a peut-être cet effet de se dire « Oh, on est en faillite, mon Dieu !» Voilà, pour faire réagir un peu les gens. « Ouais, on veut Walking Dead, bande de cons, machin, Walking Dead, Walking Dead. » Et ça pourrait amener des investisseurs ou ce genre de choses, ou les gens peut-être un peu plus à, effectivement, acheter l'autre The Walking Dead. Bonjour. Oui, en psychiatrie, oui. Eh, tu sais quoi, à la rigueur? Percy Jackson, là. Voilà. Tu as ton propre bureau. Allez, un psychiatre, 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 un psychiatre. Vous voyez, c'est un peu le... C'est quoi le film, déjà? C'est Candyman, je crois. Où ils doivent dire trois fois son nom pour qu'il apparaisse dans le miroir. Non, si, je sais plus, c'est ça. Comment ça, les toilettes? Mais il y a des toilettes. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ok, je suis pas très fier de celle-là, de cette pseudo-blague à base de Arnold de Willy. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Ah, c'est drôle, hein, qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est une invocation. Non, c'est dans Scary Movie. Non. Pardon. Scary Movie est un film de parodie d'autres films. Donc s'ils font quelque chose d'un peu différent, c'est que ça a été fait dans un autre film et c'est une parodie de cet autre film. Je sais que tu sais que nous savons que vous sachiez que vous ça chiasse, mais ça m'emmerde. Soyons blagues. Ah déjà ? Bien! Alors, par contre, s'il te plaît, ne te transforme pas en fantôme. Please go online to rate and review the hospital. Merci à elle. Maintenance announcement. Plants need water. Plant needs water. Traduction. Mamie. Je vais pas finir cette phrase parce que, en fait, je voyais aucun moyen de finir cette phrase sans être un gros dégueulasse. Oui, ça c'est ma pathologie, j'ai envie de dire. Mais comment une plante peut avoir besoin d'eau, sachant que le mec passe son temps à rien branler? Alors, les psychiatres, c'est le tapis dans ce sens-là. Les médecins généralistes, c'est le tapis dans l'autre. Prestige 3. Pourquoi j'avais collé plein de trucs si je suis déjà Prestige 3 comme ça? Quelle est cette diablerie, fourberie et infamie? Je sais pas. Moi, je continue. Hein. Radiateur. Il regarde le mur, ton psy. C'est normal. C'est la psychologie à la béotien. C'est-à-dire que le patient... Vous voyez, le patient, en fait, attendez, parce que du coup, il faut faire symétrie. Le patient, en fait, parle à cette ampoule, en fait, qui est une sorte d'image qui le reflète lui-même, sachant que c'est forcément derrière une fenêtre pour que les gens derrière aussi le jugent et ainsi aident le patient à guérir. Et pendant ce temps, le médecin, en fait, a cette notion de « je me désintéresse de vous, même si vous me parlez », de façon à garder cette distance entre le patient et le médecin, de façon à ce que le médecin ne s'implique pas trop émotionnellement avec son client.
parce qu'après tout, ce sont des clients et non pas des patients. Donc, tout ça est étudié. J'ai étudié la psychologie sur Doctissimo, donc cherchez pas, j'ai raison. Voilà. Donc, c'est la psychologie à la médecine. Et vous voyez, le traitement fonctionne. Donc, c'est normal. Ah, c'était Beetlejuice. Voilà. Peut-être plutôt Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Et il fallait le dire une troisième fois pour l'invoquer. Doctor wanted in research. Dans ton projet de te faire kick, c'est dur psychologiquement. Ah, ben ça, par contre, oui, j'en conviens. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais, et je pense que jamais je ne montrerai une entreprise, même si voilà, ça peut être intéressant, surtout en informatique. C'est à partir du moment où on a des contacts et des personnes, on peut devenir indépendant en tant qu'informaticien. Mais en fait, j'aurais tellement peur d'échouer. C'est un peu le Kickstarter qu'on échoue, que psychologiquement, je suis pas sûr que je supporterais. Donc je préfère, après tout, c'est une façon aussi de voir. Je préfère faire quelque chose que j'ai le potentiel de réussir et l'échouer, mais en me disant « Ah merde, j'ai échoué à cause de ça, ça, ça », plutôt que faire un projet trop ambitieux qui est complètement voué à l'échec. Faut bien voir que les entreprises en France, peu qui réussissent quand même. En gros, quand on commence, faut déjà se préparer à échouer. Oui, demander une formation. Oh zut, j'ai pas de salle de formation. Salle commune. Salle commune, c'est envisageable. Oui. Oui, la salle commune. La salle commune, la salle commune. La salle communale. Alors, la salle communale. Je pense que la salle commune, on va la faire comme ça. Est-ce que c'est pas beau? Ne répondez pas tout de suite. Prenez bien le temps de réfléchir et de vous dire que, en fait, si, c'est beau. Et que jamais, au grand jamais, vous n'auriez pensé à faire une si belle salle. Et que c'est bien parce que vous aimez cette chaîne et mon talent. Que vous allez enfin avouer que jamais vous n'auriez eu l'idée de faire une si belle salle. Si bien placée, si bien positionnée, avec plein de lits, pour faire plein de bébés. Voilà, alors, cette phrase ne rime à rien, ce lit n'est pas collé, et c'est... Voilà, terrible. Ce lit n'est pas collé, collé serré. Merci. Des casiers, pourquoi pas. Un casier sur deux, hein, comme d'habitude. Alors, je suis désolé, hein, j'ai dit n'importe quelle phrase qui me sortait par la tête et ça ne voulait rien dire. Hein. Je m'excuse. Alors, je n'aime pas m'excuser. Voilà, il ne faut pas s'excuser soi-même. Il faut toujours demander à se faire pardonner. Parce que s'excuser soi-même, ça reste une autre preuve d'impolitesse. C'est en gros, vous vous permettez de faire ce que vous voulez. Oh, c'est bon, je m'excuse. Non, 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 non. Je vous demande de m'excuser, de me pardonner. Et c'est à vous de m'offrir le pardon, la rédemption. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Voilà, comme ça. Vous m'avez trahi, mais comment ça? Ah, mais ils vont tous vouloir se changer. Oh, oui, oh. Je suis pas sûr hein, du deuxième paravent, mais oula. Ah parfait. J'espère que ça suffit pour tout chauffer. Parce que le Yuki. Ah formidable. J'espère qu'ils sont contents. Combien ai-je d'employés? Formidable. Infirmier. J'en ai deux. Donc, il en faut un troisième. Formidable. Embauchons un double psychiatre chercheur. 62. Alors, ça... Ah, vous voyez, regardez. Il fait le café, lui. Alors, il est bien. Il est bien. Il est bien. Il fait tout. Tel un fait tout. Il fait tout. Mon chéri trouve que tu dis beaucoup de conneries. Tu parles à tes chocolats, toi.
Alors, je vais vous expliquer quand même la blague. Mon chéri, cerise, chocolat, fraise ou noisette et caramel, j'en dis un max. Glace max. Ah, soigné en psychiatrie. Pas encore. Ok, il faut une salle de formation. J'ai plus d'argent pour acheter une autre salle, donc je vais devoir construire la salle de formation. Et ce qui est bien, c'est qu'il veut une formation, mais je vais pas avoir de quoi la former. Elle est où? Elle est où? Formation. Non mais... B aussi a un QI négatif. Alors je crois pas que ça soit possible un QI négatif. Hein, je vous rappelle d'ailleurs que le QI naît. Alors comment vous exprimez ça? Le QI, hein, QI de base. En fait, je sais même pas, ça sert à rien en fait de mettre trois chaises puisque quoi qu'il arrive, je forme jamais trois personnes en même temps. Oh, vitesse de formation plus 4. Ça se cumule ou pas? On essaiera. Je sais plus qui disait. Alors c'est quoi? On va essayer de faire une réflexion constructive. Juger un poisson à sa capacité à monter à un arbre. Merde, je sais plus c'est quoi la phrase. En gros, voilà, les critères qui servent à évaluer les gens, finalement, ne sont faits, sont arbitraires. Donc, quand on dit, voilà, évaluer un poisson à sa capacité à monter à un arbre, bah c'est sûr que c'est pas les bons critères, en fait, pour juger de son intelligence ou de ses capacités. Donc, c'est un petit peu ça le souci. Donc, finalement, en fait, c'est pas que personne n'est bête, c'est que c'est pas le même type d'intelligence. Donc, je ne peux pas avoir un QI négatif. C'est juste que nous n'avons pas la même intelligence et je suis peut-être sur un niveau d'intelligence stratosphérique. Vous voyez, on peut pas juger on juge difficilement l'intelligence d'une fourmi, mais la plus intelligente des fourmis, ça part totalement en sucette ma réflexion. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que un quotient intellectuel, de base, c'est 100. En fait, la valeur étalon, c'est 100. Donc c'est, est-ce que vous êtes plus intelligent que la moyenne ou moins intelligent que la moyenne? Vous voyez, c'est une valeur étalon. Sauf que, si de manière générale, la population régresse mentalement, ça sera toujours 100, en fait. C'est juste que le 100 d'il y a 10 ans aura peut-être plus de valeur que le 100 d'il y a maintenant. C'était absolument pas clair. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Salle de formation terminée. Oui. Join me in welcoming the mayor to the hospital. Le maire est à l'hôpital. Pied crasseux, dégueulasse. Et la pause, je dois changer de couche. Dans 12 minutes, à peu près la pause. Hein. Bonjour YouTube, cette vidéo va encore durer 12 minutes d'emmerdement. J'espère que vous avez apprécié. We're coming up to the top of the hour, which, if you ask me, is the very best part of the hour. Il y a toujours des exceptions. I know, some of you will say, but Ricky, what about the boss of the hour? And you'd be right. Incroyable. Oui, ils auraient dû faire les voix en français, hein, ça aurait été mieux. J'ai échoué à mon test de QI. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas échouer un test de QI. On peut avoir des réponses nulles qui font que vous passez pour un singe. Ne vois pas pourquoi un poisson ne pourrait pas monter à un arbre. Question suivante.
que les critères de vérification minimisent, puisqu'on ne prend pas en compte que deux ou trois formes d'intelligence. On ne juge pas l'intelligence. Voilà, exactement. On juge l'intelligence mathématique et linguistique, alors que, en fait, moi, on va dire, quand je dis de quelqu'un qu'il est intelligent, c'est pas forcément qu'il est intelligent. Ça se trouve, il est bête, il sait pas faire une addition, une multiplication, une soustraction, ce que vous voulez, il a besoin d'une calculatrice. Mais il a une certaine culture, ou au moins, il n'était pas totalement abrut ou débile dans ses réflexions. Et ça, pour moi, c'est une forme d'intelligence. Et c'est pas parce qu'il sait pas multiplier deux chiffres qu'il est stupide. C'est juste pas le même type d'intelligence et qu'il n'est pas amené à faire ça. Enfin, ou pas envie de faire ça, tout simplement. Alors attention, c'est parti. Bull Bronzard nous cite tous visiblement les types d'intelligence. Il est peut-être plus renseigné que moi. Alors, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle, les 7 formes d'intelligence plus 2, donc celles qu'on a citées auparavant. Mais qui ne sont pas vraiment nommables, mais qui sont plutôt personnels. D'accord. Vie ma vie de futur prof. C'était une émission sur une chaîne de merde, Vie ma vie. Alors je suis pas sûr que. Mon hôpital il tourne, hein, on est d'accord. Promotion, oui, si tu veux. Ça c'est en cours. La visite du maire c'est terminé. Patients de la salle commune, ils sont là. Ils sont bien, ils sont là. Oui d'ailleurs, merci Moubot de me rappeler que je joue à un jeu vidéo et que je ne suis pas là pour raconter des conneries, je suis là pour jouer à un jeu vidéo. En fait, j'hésite de plus en plus à investir peut-être dans un autre psychiatre. Non. Non, alors là, va bien te faire foutre. Bah bien sûr. Oh, j'ai envie de tenter quelque chose. Oh, j'ai envie de tenter quelque chose. Ah oui, par contre, lui, je peux pas lui désapprendre quelque chose. Lui, il est bien en tant que généraliste. Et il fait psychiatre annexe. Allez, je vais craquer mon Vénus. Tant pis, on va faire une formation à part. Ah, j'avais prévu quelque chose de mieux, mais finalement, c'est de la merde. Achète un poisson et installe-le au pied d'un arbre. Non. Non. Il est pas mal, hein, mine de rien. Il est pas mal agencé, je trouve, mon hospital. Bon, ça manque de gants, ça manque de beaucoup de choses. Ah, les médecins sont formels. L'un de nos patients souffre de magnétisme animal. Néanmoins, il faut une salle spéciale pour traiter haleine de hyène. Vous devez songer à en construire une. Oui, quand la recherche sera terminée. D'ailleurs, j'ai pas d'autres chercheurs. Oh non, mais ils sont trop chers. Trop chers, beaucoup trop chers. Il reste encore 230 jours ici. C'est... On va faire patienter. Oh non, mais... Oh. Le maire quitte l'hôpital. Formidable. On va avoir, hein, au bout d'un moment, les récompenses de l'année. En combien de temps il termine la recherche? On peut le savoir. Est-ce que je rappelle que j'ai la place pour un... Oui! On a impressionné le VIP. Je rappelle que j'ai la place pour un deuxième chercheur, mais je voudrais bien un chercheur, juste chercheur. Ok, j'ai embauché Claude Oman et elle deviendra chercheuse. Chercheuse. Voilà. Et entre temps, elle servira un peu tout. Please lower your expectations. Linguistique concerne les langues, oui merci. Logico-mathématique concerne la logique, ce qui est probablement plus la mienne. La kinesthésique
Donc kinesthésie, c'est plutôt la, voilà, c'est la perception du corps, ça j'aurais pu vous le dire sans lire la définition de Bulle Bronzard, bien sûr. Spatialement, spatial concerne la capacité à se repérer dans l'espace et à l'utiliser. Interpersonnel, bon, je lirai ça un petit peu après, quand même. Non. Interpersonnel concerne l'interaction avec l'autre et l'interaction. T'as écrit deux fois la même chose ou c'est moi qui ai mal lu, comme d'habitude. Musical concerne, oui, l'écoute et la sensibilité à la musique, donc ça on s'en serait douté. Et l'intra-personnel concerne la capacité à comprendre les mécanismes d'apprentissage et à la gestion des sentiments. Leur compréhension aussi. Oui. D'accord. Oui. Formidable. Alors, on en est où? Attendez. La recherche se termine. La réceptionniste se barre, mais pas grave. Est-ce que j'embaucherai pas un deuxième? Formation terminée, psychiatrie. Excellent. Du coup, maintenant que j'ai mon deuxième psychiatre, je souhaiterais... Recherche. J'ai un psychiatre recherché, mais ce que je veux, moi, c'était... C'était toi, ouais. Je crois que c'était toi. Paf. Et là, dès que la recherche se termine, paf, on arrête le temps et on le guérit instantanément. J'ai envie de mettre un deuxième réceptionniste. Formidable. Oh non, il va se barrer. Tabitha Windsock to be out and about this fine county of ours. 90%, bon bah c'est pas grave. On le renvoie à domicile. Tant pis, on verra après. Ah non, mais c'est lui que j'ai renvoyé à domicile. Ah putain, c'est pas lui. En fait, il y en a un que j'aurais pu. Bon bah toi, barre-toi. Toi, barre-toi. Toi, pour l'instant, reste. Il y a une petite chance que je te guérisse. Voilà, lui on le renvoie chez lui, tant pis, on l'a pas soigné. Oh, diagnostic, c'est un échec. C'est un échec. Alors là on est bien. Eh hey, tu pourrais peut-être bosser un peu et le réparer. Par un assistant. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils attendent? Menteur. Ils attendent que ce soit réparé. Combien de personnes à attendre ici? 4! Ça va encore. Je construis rien le temps que... Oui, bonjour. Putain, on réfléchit même pas. Imaginez, on réfléchit même pas. Allez, paf, c'est de la promo. 17 000 de bénéfices, tout va bien. Bientôt la recherche, bientôt. 98%. J'accepte sa requête pourrie. C'est bon, on a deux patients. Oui, t'as froid dans les toilettes? Eh ben, ça t'apprendra. Allez, 99%. Et là, on a directement mis pause. Marketing. Ah. Sur 4. Oh, bande de... Pfft. Ça a l'air rigolo. J'ai mis plutôt dingo. J'ai mis dingo. Formidable. Formidable. Magnifique. Vous aimez les chiens?
Oui, car n'oubliez pas que le temps, c'est mon pognon. Il faut quoi? Un infirmier. Sur 4, voilà, voilà ce qu'on voulait, une 3 sur 4. La salle que je pense je vais détester le plus. Je suis désolé, j'ai des griefs personnels contre les commerciaux. Oh, excusez-moi, on peut en avoir deux. Oh putain. C'est tout ce qu'il faut? Oui, ça sera la seule salle qui sera à deux, sans décoration. Ça vous apprendra à être marketo. Faut des assistants qualifiés. En marketing. Merde! Il y en a qui ont marketing dans leur... Ça se forme les gens en marketing? Bon, on peut en lancer une. Hein. Ah, elle coûte du pognon, hein. Ah, on peut recruter des gens. Marketing maladie. Payer Session 2 afin qu'elle passe sur les fréquences publiques, mais... Ça, ah, c'est pour attirer un certain type de maladie. Ah, et ça, c'est pour un type de recrutement. Et ça, à la réputation. Ah... D'accord. Généticien, chasseur de fantômes. D'accord, intéressant. Eh ben jamais, on la fera. Oui. La réputation, oui. Pour lancer une campagne de marketing. Ah. Oula, va falloir un autre généraliste. Oh, je suppose que ça va être une des quêtes. Lancer une campagne marketing, voilà. Oh! Assistant marketing. Oui, oui, un assistant marketing, mais pour l'instant, on n'en a pas. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Wow! Oh, j'ai presque envie de le prendre lui, en fait, juste parce qu'il a chasseur de fantômes. Un double généraliste. Ah, un chercheur pour pas cher. Non mais j'ai déjà embauché quelqu'un. Et ça arrive. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Ah, ils ont tous les deux 6 patients, d'accord. Quel bâtiment, quel, où cache, où cachette. Quelle surface? 1000 mètres carrés, 900 mètres carrés. Ah, ils ont voulu m'arnaquer, monsieur. Oh bah, 1000 mètres carrés. Allez, 1000 mètres carrés. Ouais, petit appart de 1000 mètres carrés. Alors, vous savez quoi, YouTube? Ça va être de la pause. Ça va être de la pause, YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire du marketing. Génial. Oui. Incroyable, n'est-ce pas? Oui.